Débuté le 22 août 2022 sous le patronage du gouverneur Jacques Abula Katwe, la première édition du Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences, CIARU en sigle, a été clôturée à Lubumbashi ce 24 août 2022 par le ministre provincial de la communication, Joseph Arce Kayumba, faisant l'intérim de son collègue de la santé empêché. Plusieurs présentations ont eu lieu, y compris celle du médecin inspecteur provincial de la santé, le docteur Kaila Nyanga Thérèse Nick, sur les différentes réalisations en province du gouvernement Kaboula dans les domaines sanitaires. Le professeur Fefe Iteke a lu le rapport final des activités visant à faire l'état des lieux de l'anesthésie et la réanimation en Afrique et dans le monde pendant les différentes vagues de Covid-19. Plusieurs recommandations ont été formulées pour faire valoir la profession sur tous les plans. Le coordonnateur du CIARU, le docteur Freeman Mabala, a remercié toutes les personnes qui ont participé à la matérialisation de ces projets, surtout le gouverneur Jacques Kaboula Katwe via son ministre de la Santé, le professeur Docteur Joseph Sambi Boulanda. Le doyen de la faculté de médecine de l'université de Lubumbashi, le professeur Arunga Willy, a parlé de l'importance de la valorisation du métier des anesthésistes et réanimateurs. Le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba, a remercié le gouvernement Kaboula pour son implication dans la réussite de cette première édition du CIARU en vue d'améliorer la prise en charge sanitaire de la population.